Happy Wee Plus. Trop cool, ça te va super bien. Ouais, je sais. Merci pour tous ces accessoires, Pat. Ce sera parfait pour le bal de la reine. Hop là. J'adore danser. Mode musique. C'était trop stylé. Ouais, c'était pas mal. Moi aussi j'ai quelques mouvements bien sympas, mais je vous les montrerai ce soir au bal. Oui, et moi aussi. C'est vrai, le capitaine est un super danseur. Oh, dans ce cas, ce soir vous pourriez peut-être faire la première danse avec la reine. Moi? Oh oui, s'il vous plaît, capitaine, dites oui. Et si vous veniez un peu en avance au château pour qu'on s'entraîne un petit peu, ce serait absolument merveilleux. D'accord, il faut juste que j'aille faire réviser mon galion avant. Ce soir au bal de la reine, les amis. Une révision du galion, bien sûr. Allons à mon atelier. D'accord. Et voilà, on a terminé. Bonjour, Scotty. Où est le capitaine? Il faut qu'on s'entraîne pour notre première danse. Ne viens pas! Ne viens pas! Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ça? Trésor volé! Quelqu'un a volé le trésor des pirates? Oui! Trésor volé! Trésor volé! Misère! Il est clair que le capitaine ne peut pas venir au bal. Oh. Est-ce que tu ne pourrais pas aider les pirates à retrouver leur trésor? Je suis sûre que je peux y arriver. Et après, il pourra venir faire la première danse avec vous, Majesté. Oh, merci, mon cher Oui-Oui. Il faut que je mène l'enquête. Qui a volé le trésor des pirates? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Cette enquête, l'affaire de la disparition du trésor des pirates. Par où vas-tu commencer ton enquête, Oui-Oui? D'abord, je vais aller à la baie des pirates et leur demander s'ils savent comment le trésor a été volé. Excellente idée, je vais rester ici avec la reine. Bonne chance pour ton enquête, mon garçon. Tiens, pourquoi ça prend si longtemps? Oh. Oh. Trésor volé! Bien le bonjour, les pirates! Oui! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je suis venue pour vous aider à retrouver votre trésor. Où est-ce qu'il était avant? Là-dedans! Et regarde ce que ce crabe à trois pattes de voleur a laissé à la place! Des boulons et des écrous. Eh oui, malheureusement, on ne pourra pas aller au bal de la reine Paillette. Oh, c'est... Oh. Peut-être que si. Ces écrous et ces boulons sont peut-être un indice. Qui au pays des jouets a des écrous et des boulons? Les chevaliers? Non. Pat-pat? Non. Whiz? Oui! Mais pourquoi Whiz aurait-il volé notre trésor? Je n'en sais rien du tout. Je vais aller à Bricaville pour discuter avec lui. Alors ce n'est pas toi qui as mis ça dans le coffre au trésor du capitaine? Négatif. Mes écrous et mes boulons sont tous rangés là. Oh! Oh, beau surpris! La boîte est vide. Erreur! Quelqu'un a dû les prendre. Qui est venu dans ton atelier aujourd'hui? Seulement le capitaine des pirates, il est venu faire réviser son galion. Oh, le
capitaine n'aurait pas volé son propre trésor. Es-tu sûr que personne d'autre n'est venu? Je ne peux pas en être sûr. J'étais dehors à m'entraîner. Je travaillais ma nouvelle danse. Regarde. Doré, j'ai déjà vu quelque part, mais où? Regarde, c'était ce matin chez Pat-Pat. Bella l'avait emprunté pour le mettre au bal. Mais pourquoi Bella aurait-elle pris le trésor des pirates et l'aurait-elle remplacé par mes écrous et mes boulons? Je ne sais pas. Il faut que j'aille lui parler. Hein? Des écrous et des boulons. Pourquoi j'aurais pris le trésor des pirates pour les remplacer par des écrous et des boulons? Oh. Mais alors pourquoi es-tu allé à l'atelier de Whiz? Ça ressemble beaucoup à la danse de Whiz. Hein? Est-ce que c'est pour ça que tu es allé à son atelier? Pour copier sa nouvelle danse? Hein? Ben non. Oui, peut-être. Et alors? Elle est trop cool. Ouais, et alors? Ciao. Oh! Ouais, et alors? Ciao, ciao! Mais alors, si ce n'est pas Bella qui a pris le trésor, qui est-ce? Peut-être qu'on a manqué un indice. Retournons vite à la baie des pirates. Ouais! Les pirates ont l'air heureux. Peut-être qu'ils ont retrouvé leur trésor. Allez, capitaine. Bien, bonjour les pirates. Est-ce que vous avez retrouvé votre trésor? Non, on essayait juste de remonter le moral du capitaine. Mais ça marche pas. Ah, mon pauvre trésor. On ne le retrouvera jamais. Oh, c'est vrai que cette enquête est vraiment très difficile. Merci, Zim Zim. Tu as raison. Comme dit toujours Potiron, un bon détective n'abandonne jamais. Qu'est-ce qui brille comme ça? C'est trop tard. Maintenant, on ne le retrouvera plus, c'est sûr. N'abandonnez pas, capitaine. Allons voir ce que c'est. Oui, bon, d'accord, d'accord. Une pièce d'or. Mais d'où peut-elle venir? Oh. Regardez, il y a quelque chose dans le bec du perroquet. Vroom, tu peux nous aider? Il a un tonneau dans son bec. C'est pour ça qu'il s'ouvrait aussi lentement. Dis, Vroom, tu peux recommencer, s'il te plaît? Ouais! Ouais, bon travail, Vroom! C'est le trésor des pirates! Un nœud papillon? Hourra! Tu l'as retrouvé! Merci, oui, oui! À qui est ce nœud papillon? C'est celui du capitaine? Mais bien sûr! Voilà! Et maintenant, le capitaine va pouvoir ouvrir le bal avec la reine! Ah! J'ai vraiment hâte! Youpi! Capitaine, attendez! C'est vous qui avez caché le trésor et qui l'avez remplacé par des boulons et des écrous? Oui, c'était bien moi. Non. Mais pourquoi? La reine vous attend pour que vous fassiez la première danse avec elle. Oh! Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas faire la première danse? Oui. Oui,
Je ne suis pas un aussi bon danseur que Wiz ou Bella ou la reine Paillette. Alors j'ai caché mon propre trésor pour avoir une bonne excuse et ne pas venir au bal. Eh bien, vous n'êtes pas du tout obligé de danser si vous n'en avez pas envie, capitaine. Mais Mac Marinette a dit que vous dansiez très bien. Oui, mais pas la danse gracieuse que font les fées. Moi, je fais la danse des pirates. Comme ça, voilà. Hop, hop là, hop là, hop, 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 hop. Oh, comme c'est charmant. J'adore, ça a l'air amusant. Est-ce que je peux me joindre à vous? Ben oui, d'accord. Oh, bon travail, oui, oui. Oh, oh, tu as encore résolu une enquête. Merci. J'ai découvert que c'était le capitaine qui avait caché son trésor. Il avait peur de ne pas réussir à danser assez bien. Alors il a caché le trésor dans le perroquet pour ne pas aller au bal de la reine Paillette. Oh, oh, oh. Mais maintenant, tout le monde veut danser comme lui. Oh, oh, oh. L'affaire de la disparition du trésor des pirates est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Après...